Bienvenue dans cette nouvelle saison de La Voix Radio. Le thème du jour est la journée nationale du sport scolaire. A cette occasion, le lycée a organisé sa traditionnelle matinée d'intégration pour les élèves de seconde. Au programme, athlétisme, foot et rugby, mais surtout un moment convivial entre élèves et professeurs, saisi par nos reporters Eve, Nathalie et Lisa. Vous êtes normalement répartis par classe. Que pensez-vous de cette matinée ? Elle est bien. Ouais, c'est cool. C'est ouais, on aime bien. C'est sympa, c'est convivial. J'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai rencontré des gens. Il fait beau, au moins c'est ça. C'est une matinée qui se passe plutôt bien, puisqu'en plus on a la météo avec nous, les gens ont l'air plutôt contents d'être là, l'ambiance est sereine, donc c'est positif. Que pouvez-vous nous dire sur l'organisation de cette matinée ? Alors, cette journée a lieu dans le cadre de la Journée nationale du sport scolaire, qui est organisée par l'UNSS, la Fédération sportive scolaire. L'organisation de cette matinée, tous les élèves de seconde sont répartis sur trois activités, le rugby, le foot et l'athlétisme. Il y a un tournoi sur chaque activité, et puis à la fin, on fait un classement final pour voir quelle est la meilleure seconde. Quelle activité sportive as-tu pratiquée ? De l'athlétisme, principalement pour la vitesse. Et plus particulièrement pour la longueur. J'adore le foot, c'est un esprit d'équipe, c'est un sport déjà qui demande énormément physiquement, on peut se donner. Le foot, c'est un sport de respect. Que signifie le sport ? Partage, rencontre et vie en société. Bah comme je suis professeur de PS, on va dire le sport c'est quand même ma vie. Je passe ma journée dans un stade et dans un gymnase, donc je suis très contente de voir que tous les élèves s'amusent sur le stade. Que penses-tu de la coopération entre prof-élève ou de jouer contre les profs ? C'est une bonne chose que ça permet de casser un peu cette barrière prof-élève. Ça crée un lien qu'on n'a pas avec eux en cours. Ça nous permet de les connaître. C'est marrant aussi d'un côté, ouais. Genre parce qu'ils participent, tout ça, et c'est bien. On aime bien jouer avec les élèves parce qu'on a une bonne entente. Voilà, on se connaît mieux. Les profs, c'est un niveau au-dessus. Quel est l'objectif de cette journée ? Alors l'objectif, c'est à la fois de rassembler tout le monde autour du sport, qui nous tient à cœur, nous les profs de PS, et puis de réunir au même endroit toutes les secondes, de toutes les sections, professionnelles et générales, de réunir aussi les professeurs et de pouvoir se rencontrer dans un contexte différent de la classe et ainsi créer des liens plus forts entre les profs et les élèves et entre les élèves entre eux. Geoffrey, remets-nous des glaces. Que pensez-vous de vos élèves en cette journée ? Ah bah je suis content pour eux, je suis fier d'eux parce que vraiment ils se comportent super bien, ils ont l'air de prendre du plaisir à être là tous ensemble avec les enseignants. Vous voulez dire un mot de la fin ? Bah kiss ! Kiss les hosties ! Malheureusement c'est déjà l'heure de nous quitter. C'était la Web Radio Thibaut, émission spéciale JNSS 2018 avec votre présentatrice préférée Emma, en intervieweuse Nathalie et Eve, comme photographe Lisa et au graphisme Clara. Si vous êtes intéressé par la web radio, n'hésitez pas à nous rejoindre les vendredis de 14h à 16h en salle A212. A bientôt sur notre chaîne YouTube.